Lorsque le père a dit à la fille, lors de la réception ou du transfert du coq, ma fille, je ne peux pas décider. L'enfant est issu d'un père et d'une mère. Je voudrais que tu aies l'autorisation de ton côté maternel. Et cette symbolique, nous la rencontrons également du côté de l'homme. Tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout de suite, après que cette marchandise ait été donnée, le premier orateur, celui du côté paternel, a dit à son binôme, j'ai terminé. Vous n'avez rien à dire ou rien à rajouter. L'orateur du côté de Pierre a dit qu'il avait fini. Mais il a demandé à Pierre, à cause de qui nous sommes venus aujourd'hui, s'il avait quelque chose à dire. Pierre, comme ça se fait chez nous, c'est le père qui marie son enfant. Mais la mère, étant celle qui a porté l'enfant pendant 9 mois, la mère a également un acte à poser ou une autorisation à donner. Ceci dit, chez nous les femmes ne parlent pas. Voilà pourquoi la mère de notre belle fille, jusque-là, n'a pas dit mot. De notre côté aussi, ma soeur, parce que je suis son petit frère, ne peut pas parler. Ce sont les hommes qui se lèvent pour parler. Mon neveu s'est levé en disant, tonton, il n'y a rien à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le mariage est un acte secret. Le mariage est sacré. Ce mariage sacré, on vit le pire, on vit le meilleur. Pour améliorer le pire, pour faire en sorte que le pire ne soit pas pire, chez nous, il y a une symbolique. Cette symbolique se détermine ou se justifie par un acte et un objet. Je vais revenir. DJ, un peu de musique de joie. Merci DJ. Vous allez remarquer que moi, en tant qu'oncle, je vais également demander à un neveu. Et pas n'importe quel neveu. Celui qui va apporter un objet tout de suite est un neveu qui vient de poser le même acte. Il y a moins d'un mois, il a posé le même acte. Il s'est marié à la couture. À l'état civil. Il s'est marié à l'état civil. Et c'est lui tout de suite qui viendra avec un symbole. Le symbole. Je t'ai dit ça. Va finir. Non, va finir. Alors, vous voyez ce métal, on l'appelle l'enclume. L'enclume est un ensemble de fer, autrefois utilisé par des forgerons. Les forgerons l'utilisaient comme support